Lundi, lundi c'est unboxing et unboxing avec la boutique Seven Green. Alors, euh, Seven Green, c'est une boutique qui vend principalement de la broderie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter de la broderie. Euh, on va se mettre face bureau pour que je puisse vous présenter les deux kits euh, pseudo Joy Sunday que j'ai choisi pour vous. Voilà les deux kits que j'ai choisis pour vous et je vais vous présenter en premier cette jolie petite chouette. Voilà, comme qu'elle est mignonne. Alors, c'est une pseudo Joy Sunday comme je vous disais et c'est une broderie 14CT qui fait 28 sur 31 cm en toile complète. Alors. C'est une partielle. Voilà. Alors, on va regarder la broderie après. On va d'abord s'occuper du patron. Alors, comme d'habitude, de toute façon, là, on n'a jamais rien à dire. Euh, pour les pseudo-Joy Sunday, ils sont toujours aussi magnifiques. Aussi bien imprimé, aussi clair, très grand, euh, donc il euh, n'y a pas de problème malgré que là c'est une estampée. Euh, si vous avez envie de la refaire ou de la faire en point compté, ben, vous n'avez pas de souci. On va avoir euh, du point de croix, voilà, et un petit peu de point arrière. Pas bon, il y a juste une couleur en point arrière, voilà, et le reste ce sera 47 couleurs en point de croix voilà alors voilà le kit enfin le kit la toile pardon euh, voyez euh, c'est une petite euh, toile à broder euh, toute mignonne euh, très bien imprimée comme d'habitude confetti elle est pas confetti euh, elle est elle est chouette <laughs> oh le jeune mot, mots <laughs> ah, le vilain jeune mot. mots voilà je vous montre l'impression voyez c'est nickel il n'y a pas de décalage voilà. non elle est... Elle est top. Alors, les couleurs. Alors, on a d'abord nos deux aiguilles ici dans le petit sachet. Ce sont les tri-fils que l'on aime bien. Voilà. Vous retrouvez euh, la couleur, le numéro de la couleur, la référence DMC et ici le nombre de fils dont vous avez besoin pour faire cette broderie. Quand c'est marqué 0 et demi, bien sûr, vous avez un fil complet. Ils ne vont pas vous en mettre que la moitié. Euh, là, il y aura deux fils. Là, il n'y en a qu'un, voilà, etc. Allez, je vous montre les couleurs. Hop, hop, hop. Voilà. Des jolies couleurs jolies roses, les violets. Alors là, il y en a un, il y en a deux tout seuls. Ce sera un bleu et un blanc. Et la plaquette du dessous. Allez. Oh, excusez-moi, ça, ça s'entortille. Bon je vais y arriver, ah ça y est, voilà. Non mais on va pas se laisser faire. Des jolis marrons, des rouilles, des verts. Il y a vraiment euh, une belle palette de couleurs. N'inquiétez pas, j'y arrive. Hein. Mais c'est parce que comme je ne veux pas détacher les les trifiles voilà voilà j'ai réussi à tout vous montrer alors cette jolie chouette oui bou non je pense que c'est une chouette hein. je sais pas Wow, bon, c'est pas grave. Euh, en 14CT, 31 sur 28 cm, c'est à 5, 30$. Voilà. Donc pas très cher et très joli. Deuxième broderie. Alors ici, c'est un petit peu... Ça change un peu de style. Euh, donc c'est un... une broderie un peu japonisante. Ça s'appelle The Blue Porcelain View. Voilà. Porcelaine bleue. 40 sur 40 cm en toile complète, 14 ct. Donc, on va le broder en deux fils. C'est une estampée, beaucoup de bleu, bien sûr. Alors, on a d'abord, bon, ça c'est le dessin, le patron. Voilà, comme d'habitude, hein, euh, voyez. Il est nickel alors il va y avoir des points arrière hein, là bien sûr déjà tout ici tout le, le petit quadrillage là dans les plantes les arbres donc là euh, il y aura du point arrière même autour du petit temple on n'a pas énormément de couleurs on en a six voilà c'est fait sur six pages oui. Hop. Euh... Voilà donc ça c'est le reste donc ici c'est du 14 CT si je me trompe pas ouais 14 CT donc c'est un ouais c'est un faux monochrome <laughs> je vais dire parce que c'est que du bleu voilà que des bleus alors si vous n'aimez pas le bleu euh, ben c'est raté mais là, ce n'est que du bleu. Vous avez deux aiguilles, et voilà les couleurs. Voilà, on a un tout petit peu de blanc. Là, enfin, c'est pas un blanc, c'est un blanc cassé. Voilà, et voilà la toile. Alors, c'est pareil, c'est du. C'est du bloc, hein. euh, mais elle est très jolie. Voyez, oh, pardon, je vous ai pas dézoomé. Excusez-moi. Voilà, voilà le dessin est vraiment très très joli. Euh, C'est une broderie qui va être facile et rapide à faire. Donc, vous avez trois sortes de points arrière, euh, trois couleurs différentes. Euh, et sinon, après, en point de croix, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, six, c'est bien ça. Six couleurs en point de croix. Euh, je la trouve vraiment jolie. Et ça change un petit peu de, de ce que l'on peut voir d'habitude. J'ai bien envie de me la faire, c'est la bon, peut-être pas tout de suite, hein, mais pas là-dessus. Euh, je, je me, je prendrai le patron, enfin, je, je copierai le patron et je vais me le refaire sur une toile, bah, mes toiles d'étamine hein, que j'aime bien. Voilà, euh, je trouve qu'elle est vraiment top, top, top. Je vous remontre le dessin. Voilà, voyez. j'aime beaucoup Alors cette euh, petite broderie estampée 14 c'était euh, le petit paysage japon euh, est à 9 dollars 13 voilà euh, bah écoutez euh, je remercie beaucoup la boutique Seven green voilà pour m'avoir laissé le choix des des broderies. Et moi, je vous invite à aller découvrir cette boutique si vous ne la connaissez pas encore. Euh, je ne sais plus si j'ai un code promo avec eux, je vais vérifier, mais de toute façon, je vous le mettrai à l'écran et je vous mettrai en barre d'infos si j'en ai un. Je vous remets également les liens euh, que vous auriez besoin si vous avez envie de choisir ces deux broderies ou d'autres. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.